Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons le royaume, je sais pas, les Roxolans. Voilà, on sait pas si c'est, je crois que c'est un royaume. Mais bon, les Roxolans. Enfin, dans le jeu, c'est un royaume. Voilà. Il y a une petite bataille à faire de manière manuelle parce qu'on voit qu'il y a pas mal de troupes de la Pactrie qui viennent nous attaquer. Et en soi, on va avoir l'avantage au niveau des unités à distance. Oh, mon petit roi, il a pris cher. Donc, on va mener la bataille sur le champ. Ils ont quoi? Ils ont quelques unités à hache, des lanciers pourris, campagne d'unité à distance, quelques piquets. Les piquets, bon, ils vont pas faire grand-chose normalement. Tant que j'en vois pas mes troupes. Comme un débile. Sur les piquets, je devrais être tranquille. Ah, ils ont un petit peu de cavalerie cappadocienne. Ah oui, la Bactrie, je leur ai pas piqué leur dernier territoire. C'est peut-être pour ça, hein, il me semble. Qu'ils sont énervés là. Va les planquer mes unités. Un petit peu abîmées, quoi. Très légèrement en pouillant. Hein? Je sais pas faire. Hop, on va regrouper tout le monde là. Voilà. On va faire une sortie de la ville. Sinon ça risque de mal se passer. Ah, les gars. Bon, c'est pas les mêmes unités que l'on a joué que celle de la bataille précédente. Et celles-là sont beaucoup plus fragiles. Ouais, c'est de l'unité légère. Donc il va falloir s'en préoccuper un peu plus, les tirs de front feront plus mal, beaucoup plus mal. Allez, feu à volonté, là c'est... C'est quoi cette unité d'archer? Cavalerie légère, mercenaire? Non, c'est pas de l'unité à distance ça, si? Oh, j'en sais rien. J'arrive pas à bien à voir. Je crois pas, mais bon, de toute façon, ils ont beaucoup de pertes. Ils subissent énormément de pertes. Allez, on avance. En espérant qu'on puisse aller attaquer un petit peu leur frondeur. Là. Watch. Oh, les salves qui sont pris, les montagnards là, par contre. Ouah, ça. T'imagines, t'es là, toi? T'es pas content. Bon, les piquer, non? Ils viendront pas. Pas comme ça. Là, ils sont un peu loin, je trouve, quand même. Ah bon, bah, les frondeurs, là, ils. Les frondeurs, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. On va s'avancer un peu. Ah, ça a été juste devant les. Les piquer, hein, on va pas y aller, on va pas aller dessus, on n'est pas fou. Hop, ils ont l'air de venir. Non, ils viennent pas. Là, c'est très bien, c'est qu'ils ont plus d'unité à distance. Donc j'ai plus qu'à aller bah, vider mes carquois, en gros. Même s'ils prennent le point. On va leur récupérer tout gentiment. Ça pleut des projectiles là. Comme ça là, ils veulent pas les... Voilà, bousiller un peu là. Ils sont trois piquets et demi là, peut-être moi. Voilà, allez, on avance. Ouais, quelques unités. Bon, il y avait des montagnards. Il n'y a plus de montagnards que piquer. Hop, avançons.
L'impression qu'il aille prendre le point en plus. Tant mieux. Là, ça ira mieux une fois que son général sera tombé. Quelques unités de lanciers. Ah, attention mes munitions quand même. Ouais. Garde royale de Bactrian. Et prends tarif. Oh bah surtout là s'il recule comme ça, là, il va prendre encore plus de tarif. Aïe aïe aïe. J'ai mal pour eux presque. Bon presque, parce qu'il faut pas décoller non plus. Allez, son général fuit. Ah bah non, son général est mort. Donc encore mieux. Ah bah là le moral, ça pique un peu. Hein. Tant mieux parce que je commence à être à court de munitions sur... bientôt à court de munitions sur certaines unités. Donc si je dois charger, mieux vaut qu'ils aient un moral absolument dégueulasse. Surtout qu'il leur reste pas de bonnes unités. Ça a l'air d'être bon, hein. Je vais pas avoir perdu trop d'unités. J'ai perdu quelques-unes, mais pas beaucoup. Une centaine. Ouais, quand même, hein. Et les frondeurs, comme je disais, là. Les frondeurs, eux deux, qui ont fait 70 pertes sur 109. Unité d'archer, je vois pas où est-ce que sont... Et les autres, ça doit être des tiraliers, je suppose. Ah bah oui. Oh putain, hé. Hey. 34 tiraliers. Ça fait beaucoup quand même. Ah, merci de remplir mes coffres. C'est quoi, c'est une unité de mercenaires? Ah, pas tenir si c'est que des mercenaires. Faut pas déconner quand même. Si? Mmh. Ah. D'accord, il y avait une unité de mercenaires, ça lui a permis de tenir. Bon. Pas après tout. Allez hop. Petite embuscade. Voilà, encore. Impeccable. Oui, on avait dit ça, on veut beaucoup de vitesse de déplacement. Et là on va aller chercher le... Voilà, a plus la bactérie. Bravo, bravo. Est-ce qu'ils ont faim? Ils n'ont pas faim. Est-ce que je peux recruter un autre? Oui. Oh là là, magnifique. C'est vrai que j'ai pas regardé les autres, mais je crois que... Ouais. Ce que je vais faire, je vais recruter également un... Ouais, non, ils sont pas terribles. Je vais recruter un seigneur de guerre, mais ils sont pas terribles. On verra plus tard. Est-ce qu'il me veut adopter la marchandise? Allez. On sera trop beau et tout, t'as vu? Ouais. 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 Ah oui. Pour la cavalerie, c'est bien ça. Un petit bonus pour la cavalerie, sachant qu'on a que ça. J'aime bien. C'est quoi ça? C'est qui? Ah, ce sont des rebelles. Tiens, regardez là, qu'est-ce que je vois ici. Que je l'avais plus ou moins prédit à l'épisode précédent. Que là il risque de passer à Merve. Et ça j'aime pas. Donc on va commencer à se déplacer. Peut-être que ça va les faire réfléchir.
Ils veulent pas de bouffe? Ah oui, bah tu m'étonnes ouais, qu'ils avaient du rab en bouffe. Putain, ça en vole pas, j'ai pas compris. Le ponte, ok. Va devoir faire un peu de pognon. J'étais parti sur quoi? Ouais. Falloir aller piller un peu les territoires aux alentours. Oh la vache, les Sagatiens. Les Sagatiens, ils s'en mis bien. Hein. Ah, sûrement aller en Orakosi après. Putain, les sagas. Hein. Il a pas chômé, hein. Je sais pas comment il a fait ça, mais il a pas chômé. Ah, regardez-moi ça. Ça va sur Nisa, c'est pas une bonne nouvelle. En plus, j'avais vu qu'une seule de ces armées, pas deux. Ils sont beaucoup. Hein. Bon. Va falloir bien jouer. Ça passe. Mode protection. Avec un peu de chance, une de leurs troupes va aller quelque part et l'autre autre part. Ok, j'ai pas subi de perte, c'est plutôt bon signe. Bingo. Alors. On va quand même faire ça au cas où. Eux, ils sont isolés. Et. Voilà, on va aller chercher. Super. C'est vraiment super. C'est 3 belles victoires là. En plus, on va l'empêcher de faire quoi que ce soit. Là, on vole de la nourriture. Et en plus, il meurt de faim. C'est foutu pour eux. Hein. Là, ça va être compliqué. Ça va pas être un moment joyeux là pour la partie. Non. Ah bah il a tout compris. Hein. Là, il sait très bien qu'il y a. C'est un peu la mouise. Bon, moi je vais être retardé un petit peu par ma conquête de Zadrakarta. Qu'ils ont eu un tour supplémentaire là pour recruter des. Des troupes, les rebelles. Ah, je pensais qu'il serait meilleur que ça. Autant pour moi, je me suis trompé. On va direction Zadrakarta. Hein. Un petit coup de pillage. Allez. Ah, merde. Bon, ça c'était pas prévu. Et allez, un petit coup à Artakoana. Faire un siège. On va pas recruter, il mourra de faim. Pas besoin de beaucoup plus. Son endroit où il pourra recruter c'est Zadrakarta. Sachant que le tour prochain je les prends. Maladie. Ok, je m'en fous. Je l'ai pillé déjà donc je vais l'occuper simplement. Quoi ça? Ça j'ai pas comme bâtiment. Oh, 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 oh! Amélioration des chevaux! Ah ça c'est bon ça! Ça c'est très bon même. Comment je m'entends avec eux là?
pas plus que ça. Hein. Après, ils sont en train de se taper avec les séleucides. Donc on va leur voler de la bouffe. Là, bah, ils sont terriblement dans le mal. Sagatien, Sagatien, on va aller à BAM. Avec cet espion. J'avais pas le... Oh, ici, ils sont là. Est-ce qu'ils sont là pour l'ordre public? C'est une possibilité. Ça passe. Hein. Donc on va se brouiller d'aller à Susia. Oh. Tiens, on va faire un bâtiment public. Ça a changé. On fait pas beaucoup avec les hordes des steppes en général. Enfin, moi j'en fais pas beaucoup. C'est l'occasion. Maladie. Oh, j'ai revu ça. Andar. Ok, bah, oui, c'est bon. C'est pas un problème. Non, par contre, je vois ça. Et ça. Ah, quoique. Mais ils s'entendent bien pourtant. Ouais, c'est bizarre. Non, à mon avis, ils viennent sur moi. Est-ce qu'on commencerait pas par... par la Rakosi, en vrai, alors. Écoute, c'était pas prévu. Mais... ils sont venus m'embêter. Donc toi, tu vas à Alexandria, à Rakosia. Toi, tu vas à Capicene. Voilà. T'as tout gagné, hein. Ou plutôt t'as tout perdu à faire ça, mais bon. T'as voulu jouer. Ouais, regardez. Ah bah. Il s'est bien défendu. Bien joué à toi. Là, en parlant de défendre, bah il tente... le tout pour le tout, le barouf d'honneur. Les captifs en esclavage. Artakona qu'on appuie un coup. Sans appuyer. Putain, ça fait une deuxième fois les pauvres. Oh, ils les enchaînent quoi. Voilà. On va occuper gentiment. Et comme ça, on n'entendra plus parler de la partie. C'est quoi? Ok. Voilà. On se déplace discrètement. Je pars en reconnaissance. Sont des amis. On va faire un peu de bâtiments qui augmentent notre ordre public aussi, hein. On va pas. Laissez ça comme ça. Ça va être de la bonne unité là par contre. Oh merde! Ah, j'ai totalement zappé de faire les bâtiments, c'est pas grave. Voilà, bah on a plus d'ennemis pour l'instant. Bon, ça n'a pas duré. Parce qu'il faut conquérir, faut pas déconner. Voilà. Là, je suppose qu'en marche classique, on peut y arriver. C'est très bien. Là, on pourra se mettre là. Ok. Zut. Voilà. Ah bah il meurt de faim. Oh c'est ballot. Oh c'est quand même con hein. Je vais me taire. Non, pas trop besoin. Continue à faire des enclos.
On va chercher actuellement. Ah ouais, déjà, putain, mais ça va vite, hein, les technos là. On va faire ça. Parce que c'est des technos dont je me sers pas, le temps de pouvoir améliorer nos bâtiments. Tu m'es perdu en plein milieu. Oula, moins 21 par tour. Oula. Oh, c'est pas la bonne nouvelle, ça. Ici, de... Ah, ça y est, on est repassé dans le positif, d'un ce côté. C'est très bien. Là, on va faire chevaux sauvages. J'ai déjà plus de thunes. Ok. Ils sont toujours en train de... Oui. Ouais, bon, ils meurent de faim, mais doucement. Là, ce que je vais faire, c'est une petite embuscade. Ah! Leur allié s'agatien. C'est un peu chiant. Je vais attendre quelques tours qui meurent de faim alors. Et je tiendrai mes positions. Alors même je prendrai peut-être Hécatompylès. Voilà, le but c'est qu'ils perdent beaucoup d'hommes dus à la famine. Dès qu'ils en ont perdu suffisamment, là je tiendrai une défense là en prenant Hécatompylès. Ça devrait passer. Un public d'ailleurs qui est terrible. Terrible. C'est le cas de le dire. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là ces deux provinces et je vais aller. Ensuite, j'irai piller à fond les Sagatiens, j'irai les ponctionner, on va encore les ponctionner à fond, à fond, à fond. Nova Carthago qui émerge, ok. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. J'ai besoin de moins de troupes pour tenir. Artacon. Plus faire ça, j'ai besoin de l'ordre public. C'est toujours pareil, plus j'ai d'ordre public, plus les revenus augmentent. Et il meurt encore de faim, c'est très bien. Et ça ira pas en s'améliorant quand j'aurai pris Capicène. Un prix, plutôt pas repris, mais prix. Sont détruites. Macédoine, ok. Alors s'établit. Aria. Je vais me méfier d'eux alors. Genre, ils s'entendent bien avec. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Alors, voyons voir. Bon, ils ont subi des lourdes, lourdes pertes. C'est le moment. Je suis aidé par Saga, par les Arya. Je sais pas si Arya rejoint les. Merde, j'ai pas pillé, j'ai pas rasé. Oups. Je vais voir s'ils m'ont rejoint contre les Sagar. Tiens. Pas du tout. C'est original, mais bon.
Allez. Je suppose que là, ça suffira un seul pour voler de la bouffe. Là, mon but, c'est prendre les catampiles. Très bien. Les catampiles, c'est raga ensuite. Hein. C'est... Ça va de soi. Avoir de soucis potentiels par là. Oups. On se méfie d'Aria quand même. Hein. Ils sont alliés avec nos ennemis. C'est jamais très bon signe ça. Alors, on a un allié allié avec un ennemi. Il va le mettre dans le dos de quelqu'un. Un des deux, forcément. Ils sont beaucoup ou pas? Non. Oh! Attends. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai plus. Je risque plus grand chose de ce côté-là. Ça, c'est bien. Ah merde! Ça fait pas partie de la même province. Ah. Oups. Bon, c'est comme ça. Bon, tant mieux, tu me diras, ça évitera de foutre trop le bordel. Bactria. Non, en partie à ça, rapportera plus à terme. Pas photo. Allez, on va suivre la route. Bon, c'est un peu la... compliqué par là, mais bon, c'est pas grave. Donc le chemin est pas forcément le plus praticable. D'ailleurs, j'avais un espion, je crois, il sert pas encore. C'est dommage. Il faudrait aussi que je recrute un agent... un seigneur... Seigneur de guerre, un truc comme ça, je sais pas comment il s'appelle dans ces factions. On passe s'entendre bien avec eux là, ils viennent envoyer leurs agents. Ok, lui il est en place. Hein? Ah oui, bah non, mais. On va pas l'envoyer de suite lui. Ouais, à quel point on va foutre le bras ici. Oh, j'ai pas mal d'argent là. Non, 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 ici on va faire ça. Et je manque d'argent là. J'ai bien envie d'aller piller là. Ah, ils ont des alliés. On va pas le faire de suite. Oh. Et c'est vrai que je peux même améliorer mes troupes comme ça. Voilà, j'ai chevaux. Amélioration des chevaux, amélioration des armes et boucliers ici, c'est impeccable. Faire ça. Oui, si ils ont pas l'air de trop bouger, faire quelque chose. Écoute. Pourquoi pas. Oh. Regardez qui voilà. Salut les gars. Ça va? Ah, je peux pas faire d'embuscade là. Bon. Ok. Voyons.
protège, allez. Soumets-toi. Ah, j'ai rien amélioré de tout ça, ok. C'est bien, ça va me permettre de gagner de l'argent. Ils sont barrés vite. Très très vite, hein. Ah ouais, bah ils meurent de faim chez eux. Impeccable. Et là ça donne quoi? Putain, ils ont plus rien, ils sont... Pourtant j'ai eu de la perte, hein. Mais ils ont plus grand chose. Hein. Allez, on va essayer d'augmenter l'ordre public. Oh la vache, ça m'a coûté une blinde. 4300, ah ouais. Ça fait beaucoup là. Ça fait vraiment beaucoup. Bon là ils avaient pas le choix. Je vais raser. Eh oui, mes espions se laissent pas faire comme ça. Voilà, ils sont obligés d'essayer de faire quelque chose. L'embuscade qui fonctionne très bien. Ah, moi les sous-sous. Donnez-moi les thunes. On aime l'argent chez nous. Impeccable, impeccable. Ok, là on va aller chercher les deux unités à l'embuscade. L'autre était en diversion, là, il faisait sa petite diversion là. Je pouvais la choper, je le faisais, mais si je peux pas, je vais pas aller. Aller à chercher trop loin. Et des priorités. Là-bas. Bon, ici. Ils ont connu mieux, quoi, comme un... comme état. Tac, tac. Ok. Ils ont recruté quelques mercenaires, mais bon, c'est pas avec des éléphants qui passeront des murs. Raya qui est... Eh bah oui, vous avez été con, t'as été con. Ouais. D'ailleurs, Raya que... Ok, je vais m'empresser de rompre tous les traités, ils s'allient avec des ennemis. Je vais m'occuper des Sagatiens là. Et ensuite j'irai m'occuper d'eux. Qu'est-ce que c'est ? Des rebelles ? Ah ouais. Bon. Pourquoi pas ? Je sais pas d'où ils sortent. Peut-être qu'ils viennent du voisinage. Pas alors, ouais, ça on verra plus tard.
Tac. Ah bah j'ai plus d'argent. Ça coûte cher tout ça. Non. Tellement d'art, putain, c'est ouf. C'est dingue. Hop, merci. On s'installe là, ça a l'air sympa comme coin. Direction Merve. Absolument avoir un œil sur eux. Là. Coucou. Un petit pillage. On va les piller, 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 repiller. Il n'y a pas de secret ici. J'ai un peu besoin d'argent. Beaucoup besoin d'argent. Alors, je vais peut-être juste aller les chercher quand même. Il était qu'il faut des bulls partout. Putain, 5000. Oh, ah, le prix là. C'est pas donné. Là, c'est pas encore ma culture qui est dominante. Pourtant, l'ordre public est bon. Là, oula! D'aller leur donner un coup de main. Va falloir que j'emmène du monde là-bas. Là, ça craint là. Carthage, ouais. On va leur taper dessus jusqu'à ce qu'il y ait des rebelles. On continuera de leur taper dessus après sûrement. Tout en améliorant au mieux nos provinces. Magna Grecia, Media Magna, Magna Grecia, oula, il y a quelques milliers de kilomètres quand même là, qui séparent. Hein. Continuons de piller, ils sont combien en ordre public? Moins 64. Aïe aïe aïe. Là ils pillent. Franchement, fais-toi plaisir. J'ai un peu rien à secouer. Voilà, un peu d'ordre public. Comme ça, tu peux essayer de piller. Ça fera pas grand chose. Je suis le poignard. Là, on va la manger. Là, on a plus de risque de rébellion de suite. Là, on a la culture qui est passée dominante. Hors de question. Ah, j'y pense, il y a bien une troisième armée quelque part, elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là! Je la cherchais justement depuis un moment. Tiens, mais un truc bizarre. Là, la ville, elle est tranquille. Alors, de public, c'est pas encore ça, mais ça viendra petit à petit. Bien, voilà, hein, tant qu'il répare, moi je pille, hein, y a pas de... Ils ont faim, très très bien.
Ah bah c'est au moment des rebelles. C'est ballot. Toi, je prends la ville. Oh, je la pille. Et là, je les libère des méchants rebelles, hein, franchement. Quelle gentillesse. Je pars d'une immense gentillesse. Hop, oh bah. Et en plus. Et je me débarrasse des Sagatiens. Impeccable, n'est-il pas? Et la direction un peu le nord. Sur Merve. On va faire ça. On a un peu d'or à dépenser quand même. Pour ça. Pour ça. J'ai assez ou pas? Oui. Et regardez la map. Mine de rien, en deux épisodes. Si vous bien, voilà. Les Colchides là. On a quand même un bon territoire. Hein. Alors ça c'est pas nous. C'est la même couleur en plus. Putain, quelle idée. Quoi. Ah non. Ouais, peut-être. Ouais, j'en sais rien. Voilà. Plus simple. Non. Voilà, plus simple. On a un petit territoire qui est quand même pas si mauvais. Hein. Allez, moi je vous laisse ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Thiob. Ciao.